Monsieur, nous sommes à Belle-Île et vous proposez une exposition de Playmobil. Voulez-vous détailler et, oui, vous présenter ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Cédric Evrard, j'ai 44 ans, je suis journaliste photo-reporter et j'ai une passion dans la vie qui est la collection de Playmobil que j'ai commencé dès le plus jeune âge. Voulez-vous nous détailler votre passion que vous exposez aujourd'hui à Belle-Île ? Voilà, alors étant photoreporter, ayant fait le tour du monde plusieurs fois, je me suis dit pourquoi pas concilier les deux en réalisant une carte du monde Playmobil sur laquelle j'ai tenté d'exposer au mieux les différentes cultures du monde afin que les enfants et leurs parents puissent passer un moment agréable autour de cette carte du monde. Voulez-vous détailler quelque peu cette carte ? Alors oui, alors donc j'ai essayé en fait de reprendre, de recomposer en fait les grandes parties du monde, comme la Grande Muraille de Chine, les grands monuments bouddhistes et hindouistes. Vous avez la forêt tropicale, la forêt amazonienne. Vous avez un grand nombre d'éléments et de nombreux petits détails qui permettent aux enfants de découvrir la faune et la flore de notre merveilleuse planète. Découvrir en s'amusant avec des objets qu'ils adorent. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que Playmobil est un objet qui est entré dans la mémoire collective du plus grand nombre, puisque Playmobil a fêté ses 40 ans il y a 2 ans. Et c'est un jouet qui est indémodable, indestructible. Et à travers cette carte du monde, j'essaye de montrer que tout est possible avec ce petit personnage de 7,5 cm. Mais en plus, vous proposez quelques créations. Voilà, alors ça c'est une autre partie de ma passion, c'est la customisation. Donc, c'est-à-dire qu'avec d'autres artistes, nous nous sommes associés pour réaliser petites figurines qui sont des pièces quasi uniques sur les thèmes qui plaisent au plus grand nombre, comme la science-fiction, la bande dessinée, le comics fantasy. Et c'est quelque chose que l'on pratique maintenant avec le plus grand sérieux. Et tout au bout de l'exposition, une petite scénette de la bataille des Ardennes. C'est une annonce finalement ? Oui, c'est une annonce, puisqu'en fait c'est une petite scénette qui sera le préambule à une grande exposition qui aura lieu à Bastogne, donc au centre Bastogne-Barac, le week-end du 10 et 11 décembre. Et durant ce week-end, j'exposerai un grand diorama sur la bataille des Ardennes où je tenterai de montrer comment les forces militaires en présence ont fêté Noël 44.